Salut, Samy. BioWare. I wanna be loved for you, just you, nobody else. Comme Sylvester Stallone, Bruce Willis ou les voix des grands personnages de dessins animés comme Maya l'abeille ou encore Donald. Mais qui se cache derrière toutes ces voix si célèbres? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Si vous associez bien sûr les voix à un visage, à condition de bien jouer, car nous allons jouer ensemble et nous allons découvrir qui est la voix de nos stars préférées. À vous d'être perspicace, ainsi qu'à Miss et Mister, c'est mon choix, qui vont vous représenter aujourd'hui. Je propose de les accueillir chaleureusement. Avec l'écharpe. Bonjour Daniela, bonjour Fabien. Bonjour. Vous avez vu, ils sont toujours aussi beaux, hein? Daniela, toujours en beauté. Daniela, Fabien, vous pouvez imiter des voix que vous entendez à la télé ou au ciné? Oui, alors il serait plus logique que j'imite une voix de fille, mais je vais essayer de vous faire Stallone. C'est alors, pas attention. Vrai. Allez-y. Evelyne, on va casser la baraque. C'est pas mal. Et vous, Fabien? Moi, je vais essayer Bugs Bunny, mais bon, je ne promets rien. Et quoi de neuf, Evelyne? Je suis content de vous retrouver. Voilà. C'est mignon. C'est tout. Hein. Désolé. Bon, en tout cas, vous connaissez bien ces voix et on va découvrir les visages qui se cachent derrière. On va aller s'asseoir. Et on va démarrer tout de suite avec notre premier invité. Je vous propose de le découvrir. Voilà, il s'agit de Nadine. Bonjour Nadine. D'après vous, à qui Nadine prête-t-elle sa voix? Quelle star? Vous avez 12 voix possibles sur le plateau. Maya, Bruce Willis, Madonna, Mickey, Pamela Anderson, Bugs Bunny, Heather Locklear, Scooby-Doo, Sharon Stone, Donald, Meg Ryan et Sylvester Stallone. D'après vous, qui double Nadine? On va demander au public hein, pour montrer que... Maya. Maya. Maya l'abeille. Voilà, à votre avis, il s'agit de la voix de Maya. Pour vous faire une petite idée, je vous propose d'écouter tout de suite cette voix. Je suis la voix de Maya l'abeille et c'est vrai que ce métier donne des ailes. Essayez de me reconnaître. Alors, est-ce que vous pensez que Nadine a... Est-ce que c'est la sienne? Non, c'est une voix qu'on a... Ah, c'est vraiment la voix de Maya l'abeille. Il va aller nous rendre visite sur ce plateau aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que ça peut être Nadine? C'est propre gel. C'est elle, ouais. Oui, c'est Nadine. Nadine, c'est Maya. Nadine, c'est Maya. Vous pensez qu'elle a physique être Maya l'abeille? Oui, voler de vos propres ailes jusqu'au siège de Maya, c'est joli. Et nous allons accueillir notre prochaine invitée. Voilà, il s'agit d'Alain Dorval. Alors, à votre avis, qui double? Quelle est la voix célèbre? D'après sa carrure, sa prestance. Peut doubler. Bruce Willis ou Stallone? On va écouter la voix de Stallone quand même, car il nous rend visite aussi sur ce plateau aujourd'hui. Si on écoutait un petit peu Sylvester. Bonjour, je suis la voix de Sylvester Stallone. Bah écoutez, je sais pas si on réussira à sauver le monde aujourd'hui, mais avec mes petits camarades, on va essayer de sauver l'émission. Mais là, confidence pour confidence, c'est pas d'amis. Alors, est-ce que vous pensez qu'Alain a la tête de Stallone? Oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Il en a la dégaine en tout cas. Hein. La poigne. Allez donc vous asseoir sur le siège qui vous est dû. Et nous allons accueillir Sylvain Caruso. Sylvain, bonjour. Alors, d'après vous? Alors? À quelle star Sylvain prête-t-il sa voix? Écoutez la voix, non? Vous donnez d'abord la réponse
c'est ensuite la voix. Scooby-Doo, Mickey, Scooby-Doo ou Donald, enfin je sais pas. Bon allez. Ou Bugs. On va dire Scooby-Doo. Vous êtes d'accord, Scooby-Doo? Alors vous dites Scooby-Doo, et eh bien écoutez, je vous propose d'écouter tout de suite la voix de Scooby-Doo. On l'écoute. Hé, hey, Scooby! Oui, Sammy! Il faut demander aux gens de deviner qui fait ta voix. C'est drôle, hein? Qu'est-ce que t'en penses? Oui! Scooby-Doo-Bidoo! Est-ce que Sylvain a une tête de Scooby-Doo? Non, pas vraiment. Eh bien écoutez, on verra tout à l'heure. En tout cas, vous allez vous asseoir à la place de Scooby-Doo. Et nous allons accueillir Malvina Germain. Malvina! Bonjour Malvina. Alors d'après vous, à quelle star fait-elle sa voix? Sur le public, on va dire Madonna. Madonna? Alors on va écouter Madonna, puisqu'elle est là aujourd'hui. Madonna a emprunté ma voix dans 5 films que votre instinct vous guide pour me retrouver. C'est impressionnant Madonna sur le plateau quand même. Hein. Elle vient quand elle veut hein, d'ailleurs. Alors vous dites toujours Madonna, eh bien allez donc vous asseoir, elle est là Madonna, Malvina, je vous en prie. Et nous allons accueillir notre prochain invité, il s'agit de Patrick Poivet. Bonjour Patrick. Alors, à quelle voix Patrick, je dirais prête-t-il la sienne? Bruce Willis. Bruce Willis. La voix de Bruce Willis. Moi, j'avais pensé à un personnage dessin animé, là, tu vois. Bugs Bunny, Mickey. Bugs Bunny, tu vois. Oh là, on s'entend plus. Alors? Alors, Bruce Willis? Suivant l'avis du public de Daniela. Bruce Willis? Bruce Willis, oui. Eh bien, très bien. On va entendre la voix de Bruce, parce qu'il est là aussi. Tu m'as reconnu? Non? Eh ben, t'es pas fort. Je suis la voix de Bruce Willis. Et je suis tombé dans une émission. Je te dis pas, j'espère qu'on va se marrer. Salut. Est-ce que Patrick est la voix de Bruce, vous pensez? Oui, oui, voilà. Oui. C'est possible. Oui. Eh bien, écoutez, on verra ça tout à l'heure. Et nous allons accueillir notre prochain invité. Il s'agit de Laurent Pasquier. Alors, il vous reste Sharon Stone, Pamela Anderson. Il a une tête de Bugs Bunny? Non, pas une tête de Bugs Bunny, heureusement. Non, quand même pas, mais... Alors, on va écouter la voix de Bugs Bunny. Quoi de neuf, docteur? Il paraît qu'il y a un lapin sur le plateau. Et sa voix, c'est moi, Bugs Bunny. Si vous me trouvez, je vous donne une carotte. Alors, la carotte, elle est pour vous? Bugs Bunny, eh bien, très bien. Allez donc vous asseoir à la place de Bugs Bunny. Et nous allons accueillir notre prochain invité. Il s'agit de Mike Dara. J'ai bien prononcé votre prénom, c'est Mike. Alors, à quelle star Mike prête-t-elle sa voix? D'emblée, comme ça, je dirais Meg Ryan. Meg Ryan? J'entends Sharon Stone derrière. Et dans le plein encore. Donc on se l'avait du public. Sharon Stone. Eh bien, on va écouter l'héroïne de Basic Instinct. Écoutons-la. Je suis la voix de Sharon Stone dans certains films. Saurez-vous me retrouver sur le plateau? Alors, c'est elle? Oui. Très bien, allez vous asseoir à la place de Sharon Stone. Et nous allons accueillir Dominique Dumont. Quelle star prête-t-elle sa voix, Dominique? Alors, j'aurais pensé à Heather Locklear. Heather Locklear, pourquoi? Blonde, elle est blonde, elle a les yeux bleus. Ouais. Elle lui ressemble un peu. Elle lui ressemble un peu. Nos invités ne ressemblent pas nécessairement aux stars qu'ils incarnent de la voix. Hein.
Bon, bah écoutez, on va écouter Ivor Locklear. On va l'écouter. Attendez, attendez, avant de vous sauver. On va l'écouter. J'ai eu le privilège de voir tous les épisodes de Melrose Place avant tout le monde. Et pour cause, je suis la voix d'Ivor Locklear. À vous de me retrouver. Alors oui, toujours. Eh bien, très bien. Et nous allons accueillir Françoise Cadol. Alors, à quelle star Françoise prête-t-elle sa voix? Pamela Anderson et Meg Ryan. Pamela, on va suivre le public. Pamela, on va écouter Pamela Anderson. Alors, Pamela. Bonjour. Je prête ma voix à Pamela Anderson et je pense que vous la repérerez facilement sur la plage. Mais moi, aujourd'hui, je ne suis pas en maillot de bain rouge. Tant pis. Oui, toujours Pamela. Toujours Pamela. Eh bien, on continue. Nous allons recevoir maintenant Gérard Surugue. Alors, il vous reste Mickey Donald, Meg Ryan, toujours. Un homme n'interprétait pas une voix de femme, vous êtes drôle, vous. Ah non, je pense pas quand même. Non, je sens pas comme ça. Vous pensez comme ça, là, c'est mon choix, tout est possible. C'est vrai. Non? Mais... Alors, Mickey ou Donald? Non, d'un côté, la première impression du public, c'est Mickey. Mickey? On va écouter Mickey. Salut les amis! Oh, vous m'avez reconnu? C'est moi, Mickey! Ma voix a bercé votre enfance. Et aujourd'hui encore, je suis le meilleur ami des petits et des grands. À bientôt! C'est bon? Si c'est pas ça, on a mis non, Mickey. Alors vous allez vous asseoir à la place de Mickey. On est parti. Et nous allons accueillir maintenant Virginie Ledieu. Alors Virginie, vous allez me dire, elle a la même coiffure que Meg Ryan, c'est ça? Meg Ryan. Meg Ryan, c'est ce qui reste. Alors on écoute la voix de Meg Ryan. Bonjour, je suis la voix de Meg Ryan. Vous avez un message, alors retrouvez-moi sur le plateau. Alors? Ce qui paraît le plus probable, Meg Ryan. Alors allez vous asseoir à la place de Meg Ryan. Et il nous reste... Donald. Mais oui, vous ne l'avez pas attribué. Voici Eric Messoff qui doit faire Donald. Je crois qu'il a le look de Donald, pas trop, hein. Non. On écoute Donald. Salut, moi c'est Donald. Vous m'avez vu au lieu. Alors, retrouvez-moi sur le plateau. Alors, vous êtes planté? Eh bien, allez vous asseoir. Ah, Daniela, Fabien. Ils sont beaucoup, ce plateau, hein? Ouais, c'est pas facile. Hein. Vous n'avez pas beaucoup de bonnes réponses. Cinq. Ah, ça va, cinq. Comment ça, ça va? Nous allons voir, vous avez pu faire des erreurs, et des erreurs, vous en avez faites. Je vais demander à chacun de nos invités de parler en prenant la voix qu'il est censé représenter. On va donc commencer par vous. Vous êtes censé être Maya l'abeille. Et puis vous avez vu, il n'a pas de rayures hein, sur son costume. Où sont les rayures, Maya? Des fois, les rayures, c'est pas terrible, ça a grossi un peu à la télévision. On verra si vous avez bien joué. On passe à Bruce Willis. Ah, je vous l'ai fait. Ouais. Ouais, bah rendez-vous à New York à Noël. Comme ça, on se verra tous les deux. Et qu'est-ce qu'on fera à Noël? On fera la fête quelque part, on verra bien. La fête avec Bruce. Vous trouvez qu'il a la voix de Bruce Willis? Non, oui. Bon, écoutez, on verra tout à l'heure si vous vous êtes trompé. À côté, nous avons Madonna. Bonjour, Madonna. Alors, Madonna, vous changez de look très, très souvent. Des looks incroyables. Vous savez qu'à C'est mon choix, on aime bien les relooks. Est-ce que vous seriez prête à venir nous donner un petit coup de main? Il n'y a pas de problème, je viens vous donner un coup de main quand vous voulez. Oui? Oui. Vous êtes prête pour venir à C'est mon choix? C'est bien, ça vous rendez compte, Madonna dans C'est mon choix? Est-ce que vous pensez que c'est Madonna? Daniela.
J'avoue, je peux pas trop dire parce que je la connais pas trop, la voix de Madonna. C'est difficile, hein. Difficile. En plus, elle chante pas, là, c'est Madonna, voilà. Actrice. Hein, le public pense qu'on s'est trompé, en tout cas. Oui, bah écoutez, on verra ça tout à l'heure. Alors, à côté de Madonna, il y a Mickey. C'est bien, on a un plateau fantastique. Mickey, c'est une éternelle jeunesse. Hein. Comment vous faites? C'est quoi votre secret, Mickey? Ah, je vous dirai pas. Parce que mon secret, je l'ai là et je le garde pour moi. Alors, c'est Mickey? Mickey? Oui. C'est difficile, hein, sorti de ton contexte. Ah, ah, est-ce que c'est lui? On verra ça tout à l'heure. Alors, on continue avec Pamela. Vous n'avez pas mis votre maillot de bain rouge, alors, visiblement, aujourd'hui. Mais vous n'en avez pas marre un peu que les garçons s'intéressent qu'à votre physique? Oh non, j'adore ça. J'adore courir sur la plage. Tous ces hommes, j'aime. Alors, c'est elle ou pas? Non, je pense pas. Non, mais non. Sharon Stone, vous dites? Ah, peut-être la manière de croiser les jambes. Je sais pas la voix. Alors, on va poursuivre, on verra bien ça tout à l'heure. À côté de Pamela, il y a Bugs Bunny. Oui. La chasse est ouverte depuis pas trop longtemps. Depuis pas trop longtemps. Vous êtes pas stressé, ça va? Non, ça va bien. Il m'a manqué une carotte pour continuer la route. Alors, c'est lui ou pas? Ouais. Sans hésiter. Sans hésiter. On n'hésite pas trop longtemps. Bon, on verra ça tout à l'heure. Comment? Quoi de neuf, Evelyne? Ah ouais, moi ça va. Ah bien? Ouais. Moi aussi. Bon. Vous êtes cernés en tout cas, Bugs Bunny, entre Pamela et Heather. Heather, femme fatale aussi. Amanda, elle est belle, elle est riche. Qu'est-ce qui vous manque dans la vie? Encore de rencontrer quelques hommes. Quel type d'homme, hein. Quel type d'homme? Tous les types. Tous les types, du moment que je peux les séduire. Alors, c'est elle ou pas? Sûr. Après, il y a Scooby-Doo. Eh bien, écoutez, on verra ça dans quelques instants. Sharon Stone, quel plateau. Ah. Sharon, expliquez-nous un peu pourquoi les hommes ont si peur de vous. Pourquoi les hommes ont si peur de moi? Peut-être parce que je les impressionne beaucoup avec mon mystère et ma sensualité. Après, il y a Donald. Hein, hein, Donald, ça va Vous avez deux Daisy à côté de vous. Quel Daisy vous choisissez? Ça va très bien, ça va très bien. Manifestement, Donald a dératé là, sur ce coup-là. Hein. Évidemment. Il va falloir réviser votre jugement, à mon avis. Hein. Oui. Il est troublé par deux Daisy. Oui, ça c'est quand... Et la Daisy d'à côté, c'est Meg Ryan. Ah, Meg, vous êtes un vrai cœur d'artichaut, vous en avez pas marre de tomber tout le temps amoureuse? Ah non, j'adore ça. Pourquoi? Ah, bah, parce que les hommes sont tous beaux, alors c'est formidable. Quelle femme. Ah. On s'y croirait, hein? On va voir. Et enfin, oh, Sylvester. Ah. Alors, là aussi, des Adriennes, hein, y en a plein sur le plateau, hein. Bah, j'ai essayé c'est pour toutes ces femmes que vous avez... Au début, j'ai essayé Mickey. Oui. Et puis, j'ai essayé Donald. Et ça n'a pas très bien fonctionné, quoi. Ah. Alors, vous allez aller sur le plateau, vous connaissez la règle, vous allez faire tous les changements que vous voulez. Et on va voir un petit peu. Allez vous débrouiller avec... Qui garde en nous?
certainement c'est pas. C'est sûr. Hein? Là, les deux premiers, c'est Sylvester. Sûr. Meg Ryan. Alors, il faut peut-être changer Donald. Donald, oui. Levez-vous, monsieur, mettre... s'il vous plaît. On va... Alors, j'hésite entre Mickey, Scooby-Doo et Bugs... Non, Bugs Bunny. On peut intervertir Scooby-Doo, Scooby-Doo et Donald. Monsieur, s'il vous plaît, Scooby-Doo. Intervertissons dans Scooby-Doo et Donald. Sharon Stone, on garde. On garde Sharon Stone. Non, c'est elle. C'est elle. Ça, c'est sûr, c'est Amanda. Amanda. Bugs Bunny. Oui. Mais attends, on a 5 bonnes réponses seulement. On va changer Mickey. Pamela, non, pas Pamela. On va changer Mickey. Oui. On va garder Mickey. Pamela, on va changer Pamela avec Madonna. D'accord. Hein? Pamela avec Madonna, vous pouvez changer, s'il vous plaît. Mickey, on garde. Combien on a de bonnes réponses, Adeline? 5. 5 tout à l'heure. Donc, 1, 2, il vous en 3, reste plus que 2. Non, je blague. 4, 5. Et ça en fait 8, là. Non, il faut changer... Moi, je dis qu'il faut changer Mickey. Hein. Qui changeons-nous? Non, Sharon Stone, c'est elle. Hein. Je sais. Si. Je sais, c'est Amanda, je sais. Sûr, je regarde la série. Attention, hein. Non, moi, je dis qu'il faut changer Mickey. Faut changer Mickey. Mickey changé. Mickey, on le met à la place de Donald. Voilà. Monsieur, s'il vous plaît. Voilà. Bon. Voilà. C'est bon là. On va rester là. Allez, venez vous asseoir maintenant. On va voir si vous avez fait un bon changement. C'est pas mal. C'est mal. C'est pas mal. Verdict. 5 bonnes réponses. Encore? Non, c'était tout à l'heure, ça. Là, on en a plus. 7. Super. Alors, on va commencer dans l'ordre. Cette charmante dame est censée être la voix de Maya LaBeouf, qui nous a fait rêver, qui fait rêver des générations d'enfants. Est-ce que vous êtes Maya LaBeouf? Oui, je suis Maya LaBeouf. La première bonne réponse. Nadine Delanoë, vous avez 52 ans, vous êtes célibataire, vous avez un enfant, vous êtes comédienne. Vous produisez un opéra rock qui est intitulé Providence, qui sera au profit d'Emmaüs, jolie cause, et qui sera mis en scène en mars 2003, c'est ça? Absolument. Comment ils réagissent, les enfants, quand ils savent que vous êtes la voix de Maya? C'est très amusant. Enfin, moi, ça m'est arrivé à l'époque où Maya commençait à être diffusée, d'avoir des amis qui m'appellent pour que je fasse manger leurs enfants, par exemple. Ah. Et ça marchait? Ça marchait très très ça bien. Ça donnait quoi? Donc j'essayais avec votre fille. Oui. Ça donnait. Oh, tu sais, je suis passée devant ta fenêtre, tu mangeais pas ta soupe. Ben, c'est pas bien du tout. Je viendrai pas te voir à la télévision la prochaine fois. Tout le monde va vous appeler maintenant. Hein. Bien sûr. Vous doublez également d'autres stars. Hein. J'ai doublé Joanna Lumley dans Chapelon et bottes de cuir, le rôle Peur de Pordé. Ça donne quoi, Pordé? C'est ma voix. C'est votre voix. Bien sûr, oui. Mm. Et puis, c'était aussi moi qui doublais Harriet McPeace dans Mission Casse-cou. Mm-hmm. Et puis Kelly dans Santa Barbara. Oui. Et plein d'autres choses. Voilà. Qu'est-ce que ça fait d'avoir d'incarner des personnages mythiques comme ça, de séries télévisées, des dessins animés, des acteurs? Qu'est-ce que ça fait quand on entend sa propre voix et qu'on se dit « tiens, c'est une star ». Maya LaBeouf, c'est un de mes premiers doublages, donc c'était très amusant. Moi, j'étais surprise d'entendre le résultat sur un dessin, puis c'est très amusant de faire vivre un dessin animé. Mm-hmm. Quand on s'entend sur un être humain, c'est beaucoup plus normal, quoi. Je veux dire, on essaie de s'approcher de l'acteur américain ou anglais, on essaie d'être le plus près de son jeu, on essaie de se fondre dans cet acteur, alors qu'un dessin animé, on essaie de lui apporter une personnalité, on essaie de créer quelque chose, enfin, on crée quelque chose vraiment. En tout cas, c'est une voix qui marque les esprits. Donc c'était vraiment très amusant. Et qui, visiblement, berce encore les enfants. Oui, ça recommence, hein. Mm. Pour notre plus grand plaisir. À vos côtés, il y a Bruce. Alors, est-ce que ça va être votre deuxième bonne réponse? Est-ce que vous êtes Bruce Willis? Je ne suis pas le Bruce Willis. Est-ce que vous êtes là? Vous prêtez votre voix à Bruce? Je prête ma voix à Bruce. Oui, c'est bon. Alors, c'est donc Patrick Poivret qui a 50 ans, qui est marié, qui a 2 enfants, qui est comédien. Depuis combien de temps vous doublez Bruce Willis? Depuis le début, je pense. Depuis le début? Depuis Claire de Lune, oui. Vous imitez d'autres stars également? Pas vous imiter, d'ailleurs, vous doublez d'autres stars. Ça a dû m'arriver, je crois.
Oui, ça a dû vous arriver. Moi, je sais pas, sur ma fiche, moi, j'ai Tom Cruise, c'est pas mal, hein. Ouais, c'est pas... Qu'est-ce que ça donne, Tom Cruise, hein? C'est quelqu'un de beaucoup plus sérieux, de plus... Et ça donne quoi, c'est ça, là, que vous nous faites? Ça donne un truc un peu charmeur, un peu... C'est autre chose, quoi. C'est autre chose. Bon, voilà. Vous voulez garder vos secrets, si je comprends bien. Peut-être, oui. Il y avait Don Johnson aussi, je ne vous demande pas de me le faire, parce ouais, que... Bah ça, c'est Don Johnson, quoi, voilà. Donc, en tout cas, que des acteurs pas trop mal, hein, Daniela. Il faut fantasmer toutes les nanas. Je suis contente d'être ici. Hein. Bah, nous aussi, on est contents d'être ici. Alors, nous avons donc Madonna, si je ne m'abuse. Est-ce que vous êtes la voix de Madonna? Je ne suis pas la voix de Madonna. Oh, bah alors, première erreur. Venez donc vous asseoir ici sur notre languette. Alors, qui parmi nos invités est la voix de Madonna? Ah. Alors qui? Non, moi je suis pas d'accord. Allez. Meg Ryan. Est-ce que c'est Sharon? C'est vous? Non. C'est vous? Oui, Maïk, levez-vous. Allez donc vous asseoir à la place qui vous est due. Mais limite trop bien, Sharon. Maïk Dara, 48 ans, mariée, 2 enfants. Comédienne et chanteuse aussi. Ils sont... Oui. Ça Absolument. Donne quoi, Madonna? Au niveau voix, ben, c'est très sensuel, c'est surtout très sensuel et très féminin. Vous doublez également une voix très, très... oui, ben, oui ben, voilà, ils ont deviné, c'est Whoopi Goldberg. Hein. Ça oui, donne absolument. Quoi c'est le... Ben, c'est le négatif de... c'est le négatif de Madonna, quoi. C'est le négatif de Madonna. Est-ce que vous pouvez nous raconter des anecdotes qui vous sont arrivées avec la voix de Whoopi ou peut-être de Madonna? Ben, soit je suis dans des restaurants ou chez des commerçants et si je me mets à éclater de rire pour X raisons... Voyons. Qu'est-ce qu'ils vous répondent? Alors... Est-ce qu'il faut le rapprochement tout de suite? Alors, il y en a qui sont très futés, qui me disent « Mais vous n'êtes pas comédienne, vous ne faites pas du doublage, donc là, c'est bingo. Mm-hmm. » Et puis, il y en a d'autres qui me disent « C'est marrant, vous avez la même voix que Whoopi Goldberg. » Alors là, je suis... Qu'est-ce que vous diriez à Fabien? Qu'est-ce qu'elle dirait, Whoopi, à Fabien? Fabien, avec ta petite écharpe comme ça sur le côté, tu pourrais être le plus beau de la soirée. Élevé et mignon, ce Fabien, à chaque fois. Oh, il est galant avec les dames, j'adore. Vous nous ferez une surprise tout à l'heure, hein, Maïk, hein, puisque vous avez doublé un extrait de C'est mon choix, hein, et qu'on va découvrir ça tout à l'heure. Oui, mais c'est pas pour maintenant. Pour maintenant, il y a Mickey. Est-ce que vous êtes Mickey? Vous n'êtes pas Mickey? Alors venez vous asseoir à côté de cette jeune femme. Qui est donc Mickey? Alors Scooby-Doo. Vous êtes Mickey? Vous êtes pas Mickey? Bon, bah alors. Vous êtes Mickey? Oui, c'est moi. Ah! Allez donc vous asseoir à votre place. C'est Laurent Pasquier, qui a 36 ans, qui est marié, qui a un enfant et qui est comédien. Comment est-ce qu'on devient, alors ça c'est fantastique, la voix officielle de Mickey en France? Oui, j'étais sur Lyon. Et un studio lyonnais m'a dit, il y a Disney qui cherche la nouvelle voix de Mickey. Alors j'ai dit, j'y vais. Ouais. Là, j'ai écouté la voix de Wayne, qui est l'Américain qui le double. Et bien sûr. J'ai dit, c'est dans mes cordes. Alors on y va. Et puis voilà, rencontre après rencontre, ça se fait pas comme ça. Hein. Comment ça se passe avec les enfants? Déjà, j'aime pas faire la voix de Mickey devant des enfants parce que je pense que ça casse le mythe. Je veux le garder, c'est comme... Oui. Je peux faire le Père Noël, mais je ne suis pas le Père Noël. Vous comprenez? Je savais pas que vous étiez la voix officielle du Père Noël. Entre autres.
Alors donc j'évite ce genre de choses et je préfère faire plein de voix différentes. Comment on fait pour rentrer dans la peau de Mickey ? Bien, il faut vraiment rentrer dans le costume. En fait, moi, quand j'arrive dans le studio, je suis Laurent et quand je passe la barrière, que je me mets à la barre, c'est naturel. Je suis obligé de le faire pour donner cette énergie à la voix. C'est les mains qui bougent, les pieds, ça part de tous les côtés. Et parfois, je ne peux pas faire plus de 3 heures de Mickey. C'est trop... Ça crève. C'est une horreur. Alors, vous nous avez fait Mickey. Nous, on va vous faire un cadeau. Puisque Nadine et Maïk ont accepté pour nous de faire une petite démonstration de leur talent en doublant un extrait de C'est mon choix avec les voix de Maya Labeille et de Whoopi Goldberg. Alors, on va voir ce que ça va donner, je pense que ça va être assez amusant. L'équipe, et croyez-moi, moi j'y suis absolument pour rien, on choisit une discussion entre Naïma, que tout le monde connaît, en tout cas les fidèles de C'est mon choix connaissent, et moi-même. Les dialogues ont bien sûr été changés, Naïma est devenue Whoopi, et puis moi j'ai été transformée en Maya Labeille. On va voir ce que ça donne, je ne l'ai pas vue. Hein. Pardon, messieurs, dames, je m'excuse bien de vous déranger, mais il faut que je joue un petit truc avec Evelyne, parce qu'on m'a dit qu'elle recherchait des nouveaux talents. Et à vrai dire, je chante un peu. Je vous l'avais jamais dit, mais c'est ma grande passion, c'est mon rêve, c'est en moi, c'est inné, c'est... Oh là là là, oh, je suis émue. Enfin, je voudrais bien que tous ces gens m'entendent, là, parce que c'est très important pour moi. J'ai jamais chanté en public, mais je crois que maintenant, il faut que je me lance, il faut que j'y aille. Une étoile est née. Et ça vous dérange pas, hein? C'est sûr, je veux pas interrompre l'émission. Oh, j'ose pas y aller, Allez-y, rendez-vous. Oh, je vous adore, je vous aime, merci. Vous allez pas être déçus du voyage. L'aventure. Il y a un petit pot de miel pour votre corps. Ah oui, merci, public, je vous aime. C'est pas gagné quand même. Je savais pas que Whoopi Goldberg m'aimait à ce point-là, mais je promets, je lui enverrai une... C'est rigolo, non? Hein? Alors, on avait Mickey, et puis on a Pamela Anderson, quand même, sur ce plateau. Est-ce que vous êtes Pamela? Oui. Je suis la voix. Alors, Malvina Germain, vous avez 45 ans, vous êtes mariée, vous avez 3 enfants, vous êtes comédienne. Depuis quand vous prêtez votre voix à celle de Pamela Anderson? Bien depuis l'arrivée d'Alerte à Malibu, donc oui. C'est dans les années 90. Donc vous avez fait tout le tout début en fait, hein, de voilà. Pamela. Ça donne quoi quand vous parlez en Pamela? Ben, je vais essayer, mais parce que c'est bien d'avoir son support physique. Parce que sans son support physique, j'ai un peu de mal à imaginer. Ouais. Comment ça se passe quand vous dites aux gens que vous doublez Pamela Anderson? Ça les amuse. Oui. Surtout quand ils voient ma tête. Ouais. Pourquoi? Elle est très bien, votre tête. Hein. Parce qu'ils n'imaginent pas. C'est pas tout à fait le même style de maillot de bain, mais qui n'est pas tout à fait un maillot de bain. Je suis pas vraiment en maillot de bain rouge et, mm-hmm. et je me suis pas laissée pousser les seins. C'est facile de se mettre dans la. C'est facile de. Ça n'a pas marché. Et ça ne pousse pas comme ça, non. Ces choses-là. En général, il faut un peu d'engrais. Alors, il n'y a pas de Bugs Bunny. Hein? Comment ça se fait, hein? Il est où, Bugs Bunny? On va Il est où? Il est peut-être là, assis. Est-ce que vous êtes Bugs Bunny? Toujours pas Bugs Bunny. Toujours pas. Alors, Donald, Stallone, Scooby-Doo. Donald? C'est vous? Donald? Non, Bugs Bunny. Ah, bah oui, c'est moi! Il était temps, hein? Gérard Surug, il était temps, oui. Il était temps, peut-être! 56 ans. Pardon? Non, je disais votre âge, c'est tout. Oui, j'ai cru plus jeune, c'est pour ça. Oh, bah, je sais pas, vous pouvez dire 25 si vous voulez. Hein. Oh, non, j'ai pas comme de mal. On y va. Oui, c'est difficile d'être la voix de Bugs Bunny? Non, pas du tout, la preuve, c'est que je vous le fais là. Et tout à l'heure, on parlait de difficulté justement à placer sa voix, à être. Mickey, vous disiez, il faut vachement d'énergie et tout. Bugs Bunny aussi, il est énergique, hein, dans les. Ah oui, oui. C'est de crever à la fin des doublages. Si on fait une matinée, ça va. Si on fait une journée, on sort, on est un peu épuisé. Parce que le dessin animé, faut être un peu extraverti. Mm-hmm. C'est-à-dire, il faut tout donner. Alors, au bout d'un certain temps, on a vraiment tout donné. On n'en peut plus. Mais c'est drôle à faire. C'est drôle. On retrouve,
Il y a toujours des choses qu'on a oubliées et puis qu'on retrouve d'un seul coup et là, on éclate de rire. Mm-hmm. Vous faites aussi Droupi. Oui, Droupi. Ça donne quoi? Vous savez quoi? Je suis heureux d'être dans ce bon choix. Là, vous faites la gestuelle. Est-ce que vous le faites aussi quand vous doublez? Je suis obligé de le faire, ça. J'ai trouvé ça parce que je trouve qu'il a des grosses babines, uh-huh. comme ça. Il était comme ça, et puis j'ai fait juste une petite résonance. Mais je peux pas le faire de l'autre côté, c'est pas la même résonance. Ce qui fait que quand j'enregistre, je passe et je sors avec un bleu. D'accord. Il faut pas que ça dure trop longtemps non plus, hein. Non, ça va, là. C'est plus calme. Comment ça se passe avec les enfants aussi? Vous avez des anecdotes particulières ou pas? Alors, je voudrais simplement dire à mes petits-neveux, Shane, Miles et Kevin, qu'il n'est absolument pas question que je mette le costume de Bugs Bunny quand je vais enregistrer. C'est tout ce que j'ai à leur dire. Donc vous avez entendu les enfants, demandez-lui surtout de mettre le costume de Bugs Bunny la prochaine fois. Quel plaisir y a-t-il à doubler des dessins animés plutôt que des acteurs? Ah mais je fais pas que du dessin animé, c'est pas le même plaisir. C'est quoi alors la différence? Ben justement là, un acteur, on est obligé de suivre l'acteur, d'essayer d'aller dans son sens, de voir comment il joue, s'il fait des pauses, s'il fait tout ça en demi-teinte et tout. Le dessin animé, on peut amener un peu de fantaisie perso. Mm-hmm. Et c'est là que c'est bien parce que comme on improvise un petit peu des fois. Quand on se dit, tiens, là, il fait un truc, on va rajouter ça, on va faire un truc comme ça. Ouais, ouais, puis avec les copains, on s'émoustille un petit peu tous. Et puis alors là, après, c'est parti, puis on s'amuse beaucoup. Et c'est très drôle à faire parce que, je vous dis, on retrouve notre âme d'enfant quand on se trouve face à ces images qui ont bercé notre enfance aussi. Uh-huh. Parce que ça, Bugs Bunny, ça date depuis longtemps. Voilà. Vous nous refaites un petit coup de Bugs Bunny? Ah, mais avec plaisir. Je vous aime. Qu'est-ce que Bugs Bunny dirait à Heather Locklear? Il me reste 50 balles, on va les claquer sur la côte. Encore faut-il que ce soit elle, hein. J'ai vu la pancarte, hein. Est-ce que vous êtes Heather Locklear? Oui. Je prête ma voix à Heather Locklear. Dominique Dumont, vous avez 40 ans, vous avez un enfant. Depuis combien de temps vous êtes la voix d'Heather? Heather, à peu près 20 ans. 20 ans? Comment est-ce qu'on fait évoluer une voix, justement? Vous pouvez nous montrer d'ailleurs avec la voix d'Heather ce que ça donne? Je sais pas. Aujourd'hui, par exemple, avant de venir, on enregistrait ensemble... tous les deux Spin City, où elle est dedans. Et je ne sais pas comment on fait évoluer une voix. En fait, ça vient... C'est naturel. Oui, je ne sais pas, mais en tous les cas, oui, on vit un peu avec elle. On peut nous faire sa voix? Je ne sais pas. Là, je crois que c'est une voix très, très proche de la mienne, peut-être. C'est la vôtre, en fait, hein, c'est ça. Plus ou moins. Mm-hmm. Plus ou moins. Elle est beaucoup plus... Tonique? Oui, plus, elle a plus de pêche, plus tonique. Elle est plus mordante, plus sèche. Alors, à vos côtés, il y a Scooby-Doo, enfin peut-être. Si vous êtes Scooby-Doo, manifestez-vous. Eh, dis donc, Scooby, c'est toi? Oui, c'est moi. C'est moi. Ah, oui, il me semble que c'est lui, hein. Eric Lissard, vous avez 41 ans, vous êtes marié. Comment est-ce qu'on devient Scooby-Doo? J'essaie de reprendre dignement la succession de Francis Lax, parce que ça date aussi, comme Bugs Bunny, ça date des années 69. Et voilà, et ce qui est amusant, c'est que je fais les deux voix, c'est Miss Scooby-Doo. Oui. Et c'est ce qu'ont dit mes petits camarades avant, et on se lâche complètement, parce qu'en dessin animé, on a beaucoup plus de liberté par rapport au personnage. Et puis, cette série est un peu fofolle. Donc, vous pouvez nous faire le cri? Pardon? Le cri de Scooby-Doo. Scooby-Doo-Bidou! Vous disiez que vous aviez repris la succession en faisant la voix de Scooby-Doo. Est-ce que c'est difficile de gérer ça, justement? Est-ce qu'il y a des gens qui écrivent pour dire « Ah, je préférais l'ancienne » ou... Pas à ma connaissance. Non? Pas à ma connaissance. Donc tout se passe bien? Très bien. Et que les enfants, vous aussi, ça va? Avec les enfants, ça va très bien, oui. Oui, oui, oui.
Et les chiens? Les chiens, ben, je fais beaucoup de chiens. Je fais un autre dessin animé qui s'appelle Courage, qui est un chien froussard. Et le docteur Carter aussi, vous l'oubliez, non? Oui, mais c'est pas du dessin animé, ça. Oui, je sais. Ouais, ouais. Ça donne quoi? Ben, c'est ma voix tout à fait naturelle. C'est votre voix dans... Dans Urgence. Dans la vie, et dans Urgence, c'est docteur Carter. Voilà. Ah, j'entendais les filles derrière. Ah, génial. On se tient, les filles. Une dernière fois, vous pouvez me faire le... Quand, vous savez, le Scooby-Doo, quand il a peur et qu'il fait « Sammy ». Pouvez me le faire, là, s'il vous plaît? Sammy. Merci. Vous aimez ça? Rien. Alors, à côté de Scooby-Doo, il n'y a personne. Qui c'est? Madame sur la Exactement. Est-ce que vous êtes Sharon Stone? Sharon Stone. Oui. Non, oui. Je double parfois Sharon Stone. Parfois, allez-y. C'est Françoise Cadol qui a 38 ans, qui est célibataire, qui a un enfant et qui... ça donne quoi, Sharon Stone? Sharon Stone, c'est ma voix un peu grave, je tombe dans les graves. Oui. Et c'est surtout la manière de parler, c'est plus... C'est pas du rapide-rapide, quoi. C'est du nonchalant. C'est du nonchalant, c'est du sensuel, c'est... Voilà. Mais je suis pas... Je l'ai doublé dans... Je tiens à dire, je l'ai doublé dans certains films, mais il y a une comédienne qui la double beaucoup plus que moi, qui est Mickey Sébastien. Donc je voulais le dire. Mais c'est bien de rendre à César. Et elle n'est pas blonde. vous avez écrit, j'en profite, une pièce qui s'appelle Shop Sue, exact, hein, qui sera jouée au Centre d'art et de culture de Meudon les 8, 9 et 10 novembre de cette année. Quel film vous avez fait? J'ai fait Mort ou Vif, oui. J'ai fait Intersection, oui. L'Expert, oui. Et le quatrième, je cherche depuis hier et je ne sais plus. Oh! Eh bien, dites donc. Bah, si ça vous revient, vous nous le dites après. Tout à fait. Bon, en tout cas, Donald, il n'est pas revenu, là. Il est où, Donald? C'est vous, Donald? Sylvain Caruso, 49 ans, marié, 4 enfants. Et qui part en tournée avec son groupe. Vous avez un groupe aussi? Qui s'appelle Siana Kaboom. Ah oui, Célestia Kaboom. C'est, vous pouvez nous parler avec la voix de Donald en même temps que vous nous en parlez? Vous allez rien comprendre. C'est le spectacle pour les enfants, vous voyez qu'on a compris. Formidable. Vous devez être épuisé aussi, vous, à la fin des doublages. Hein. Ça, Donald, en plus, est très, très éraillé. Non, non, c'est-à-dire que moi, j'ai un petit peu de la chance, je pourrais dire, c'est que je parle pas de la gorge. Mm-hmm. Je parle de la... Je fais ça de aussi. La... De la joue. Donc, ce qui fait que je peux plus respirer que mes petits copains, mm-hmm. parce qu'eux, ils sont blancs à la fin de la séance. Moi, c'est... Je peux faire le malin. Donc, ce qui fait que ça, je peux avoir un petit peu plus d'endurance. Hein, mais c'est quand même épuisant parce que c'est quand même fatigant. Oui, c'est... Il me fatigue. Oh, ça suffit, Donald. Tu arrêtes. Et Bugs. Et Bugs Bunny, qu'est-ce qu'il dit à Donald? Je comprends rien à ce qu'il dit, moi. J'étais dans mon terrier peinard, on m'emmerde, là, il vient, on sait pas ce qu'il dit. Alors non. Alors Donald, il a les traits de caractère bien trempés, d'ailleurs comme tous les héros de dessins animés. Est-ce que vous avez des traits de caractère communs avec lui? Non. Non? Non, non, parce que si. Disney... Comment ça, non? Oh non, il y a marqué lunatique sur ma fiche. Ah ouais, lunatique, quoi. Je capte maintenant. Je suis lunatique, mais je suis pas colérique. Oui. Parce qu'effectivement, bon, c'est vrai, quand Disney a créé ce personnage, j'ai voulu que ce soit un personnage colérique, très exacerbant comme ça. Je pense pas être comme ça, non, non. Mais je m'amuse beaucoup à être comme ça, c'est génial, parce que justement, c'est ça qui me calme. Là, j'ai beaucoup d'énergie, je suis pas colérique, mais ça me calme. Après, j'ai fait Donald, ouais. Ouais, ça m'amuse bien. Bon. Ouais. Alors. Qu'est-ce qu'il dirait Donald à Meg Ryan? Je casse ma femme. Oh. Est-ce que vous êtes Meg? Je suis Meg Ryan. Virginie Ledieu, qui a 40 ans, qui est mariée, qui a deux enfants.
Vous vous doublez Meg Ryan depuis longtemps aussi, hein? Depuis, oui. 89, c'est oui, ça? Oui, depuis L'Aventure intérieure, qui est le premier film qu'elle a fait avec de Stéphane Spielberg. Qui l'a fait vraiment connaître, absolument. Exploser. Oui. C'est votre voix? C'est ma voix, non, j'ai la voix un peu plus grave quand je la double, un tout petit peu plus grave. Qu'est-ce que ça donne? Je parle plus comme ça. Oui. Parce que elle, mais c'est vraiment une tessiture, quoi, c'est rien du tout. Comment ça se passe quand vous doublez Meg Ryan? Ce sont des scènes très romantiques, ou qui des histoires d'amour qui font rêver les filles, vous savez, croire au pain charmant et tout. La fameuse scène de, vous savez, celle dont on vous parle tout le temps, quand Harry rencontre Sally. Vous savez, cette scène qui... Où Meg Ryan simule un orgasme à table. C'est, ça, vous voulez pas que je vous le fasse? Si. Je ne le ferai pas. Ah non. Faites toujours attention à ce qu'on fait à 13h50, surtout sur Service Public, mais là on est couvert, c'est Meg Ryan qui le fait, c'est non, un film. Non. Non, vous voulez pas? Ah non, non, non. Impossible. Ça a été... Pourquoi c'est impossible? Surtout que vous êtes quand même bien entouré, hein. Peut-être pas Donald, mais Sylvester Stallone à côté, ça pourrait vous aider. Non. Pourquoi c'est difficile de refaire justement ce qui se passe dans votre... C'est difficile parce que simplement c'est un métier et qu'on se cale à ce que l'actrice a fait auparavant. Ça a été difficile à faire? Pas tellement, parce qu'elle était tellement formidable que je n'ai fait que suivre son travail, quoi. Mm-hmm. Mais c'est elle qui a travaillé. Sincèrement, vous avez bien dû vous marrer. Oui, non, parce que c'est très difficile à faire. Non, parce que c'est difficile à faire. Non, mais en fait, quand on fait du doublage, il faut être très humble et on est au service de l'actrice qui a effectué le travail avant vous. Donc c'est comme dans une scène d'émotion, finalement. On assimile son émotion à elle, qui a peut-être qu'elle a mis beaucoup de temps à la voir, mais nous, on la prend, son émotion, donc c'est beaucoup plus facile. Donald, cette scène-là dont on parle, si c'est vous qui la faisiez en Donald, ça donnerait quoi? Et Bugs, ça donnerait quoi? Une scène comme ça? Oui. La boucherie. Oui. Attendez, il y a Bugs qui veut dire quelque chose. Bah alors, on fait Mickey, vous pouvez... Allez-y. J'ai pas droit, Minnie, elle va m'engueuler après. Je fais qu'embrasser, moi, vous savez. Je suis romantique. Ça donnerait rien? Qu'est-ce que vous vouliez dire? Non, je disais que chez moi, je suis pas au régime carotte, tout, je fais pas le lapin, rien. Hein. Chez moi, je suis un peu normal, c'est peut-être beaucoup dire. Et Sylvester, ça donnerait quoi, la scène? Allons savoir. Je ne sais pas. Je suis sûr que si. C'est un taciturne, ça ne dirait rien, en fait. C'est quelqu'un qui agit, surtout. Ah oui, il ne parlerait pas. Alors, c'est difficile de le faire seulement vocalement. Oui, il émettrait juste un léger son vers la fin, c'est tout. Oh, comme vous l'attendez, je vais vous le faire. Adrien! Il y a votre femme sur le plateau? Paraît-il. Mm-hmm. Elle est où, votre femme? Ce qu'elle a dit tout à l'heure, c'est Dominique qui double Isère Leclerc. C'est votre femme dans la vie? Oui, c'est ma femme dans la vie. Oui. Ça donne quoi les scènes de ménage entre Iver et Sylvester? Oh, il n'y en a pas. Comment ça? Non, lui tourne au cinéma, elle est à la télé, ils se rencontrent pas. Vous savez que Sylvester, c'est aussi la voix des Guignols? Ah, ça c'est Sylvestre, ça c'est mon camarade Yves Lecoq. Docteur Sylvestre, alors vous savez le faire ça? Ah, très très mal, parce que moi je vais assez fréquemment au Guignol, mais je fais plutôt ce qu'on appelle des voix off. Oui.
Et c'est Yves Lecoq qui fait la voix de Sylvestre. Alors j'ai déjà demandé à Yves de me montrer comment on faisait. Il m'a dit ça commence toujours par un Alors l'ennui c'est qu'ensuite avec moi ça se gâte parce que je fais que je fais pas Stallone, que je fais une mauvaise imitation de Johnny. Elle est plutôt bonne ça là, c'est vous Johnny? Ah non. Non. Non, c'est Yves aussi. C'est tout Yves. Non, faites que Yves les voix ne fait pas en fait. Tout, il y a aussi Daniel, Nicolas, Sandrine, mais oui, Yves est effectivement le pilier des Guignols. Alors, deuxième surprise de l'émission, on va revoir un extrait de C'est mon choix, avec cette fois les voix de Mickey et de Sylvester Stallone, puisque vous nous avez fait ce plaisir-là. On a pris un extrait qui nous tient particulièrement à cœur, puisque ce jour-là, nous avions invité Michel Drucker, formidable, magnifique, et Jean-Pierre Foucault, sacrée soirée. C'est incroyable. Nous avons changé les dialogues, et on les salue tous les deux s'ils nous regardent, nous avons changé les dialogues. Michel Drucker est devenu Sylvester Stallone, et Jean-Pierre Foucault est devenu Mickey, et moi-même bébé de Dirty Dancing. Je sais pas ce que ça va donner, parce que là non plus, j'y suis pour rien, et j'ai rien vu. Je vous propose de regarder. Jean-Pierre, posez votre question à Michel. Oh, allez, vas-y. Bon, allez. Je ne voudrais pas déranger. Hein. D'accord, Michel. Qui est l'animatrice de C'est mon choix? A. Linda de Souza. B. Evelyne Thomas. C. Nelson Mandela. D. Bernard et Bianca. Bah, j'hésite, là, parce que... Et non, elles sont balèzes, les questions. Et puis, si j'ai bien compris, j'ai plus de joker, là, c'est ça, alors... Réfléchissez bien. Je vais dire Linda de Souza. C'est votre dernier mot, Michel? Mais non, c'est pas mon dernier mot, Linda de Souza, Evelyne Thomas... Allez, je vais me lancer, je vais dire Evelyne Thomas. Allez, soyons fous, je dis Evelyne Thomas. Je crois qu'ils apprécieront de s'être transformés pour un jour en Mickey et en Sylvester Stallone. En tout cas, merci d'avoir parodié des extraits, c'est mon choix. Daniela Fabien, ça fait quoi d'entendre toutes ces voix qui vous font rêver? Moi, ça me fait très plaisir parce que c'est vrai que j'aime bien regarder des films, surtout avec Stallone et Bruce Willis. On voit tout de suite où vont vos préférences. Voilà. Je crois que c'était Maya l'abeille et Mickey, votre genre, que c'est pas ça. Et donc, c'est vrai de mettre un visage sur une voix française. Ça fait plaisir. On se demande, mais comment est le personnage? Et voilà. Donc, ouais, maintenant, on va leur... à quoi il ressemble. Et je suis très très content, l'espace d'une émission, je suis retombé un peu en enfance grâce à vous. Merci. Eh bien merci en tout cas d'être venu nous dévoiler qui se cache derrière les voix françaises, puisque pour certains vous ne l'aviez pas dit et je pense que vos proches vont avoir une bonne surprise demain. Merci à notre public et à vous Daniela et Fabien d'avoir été avec nous.